On reste au bord de l'eau avec une tradition de la région d'Antibes et Nice et jusqu'à Menton, autorisée 45 jours seulement par an. Il s'agit de la pêche à la poutine, une sorte de friture que l'on peut également consommer crue et qui est menacée, dit-on, par les fonctionnaires de Bruxelles, ce qui ne plaît pas du tout aux pêcheurs de la région. Yasmina Farber, Didier Beaumont. Au petit matin, les pêcheurs partent de la plage d'Antibes à la recherche d'un trésor transparent et argenté, la poutine. Pour cette pêche, un filet de 80 mètres est largué tout près du rivage, une véritable moustiquaire où viendront se perdre les alevins d'anchois et de sardines. La tradition remonte à Napoléon III. De Menton à Antibes, les pêcheurs répètent les gestes de leurs ancêtres. Selon l'état de la mer, ils ramèneront quelques kilos de ce précieux magot, une pêche originale qu'ils n'abandonneront à aucun prix. Avec les lois européennes, ils voudraient réglementer toutes ces pêches qui sortent un peu de l'ordinaire. Mais moi je dis que pour la tradition, il faut quand même le garder. C'est vraiment quelque chose du pays niçois, du pays antibois. Et il n'y a que nous qu'on le pratique. Quelles que soient les conditions météo, la pêche à la poutine ne dure que 45 jours. Et un pêcheur ne rechigne jamais à goûter son caviar du Sud dès sa sortie de la Méditerranée. Ça a quel goût ? Noisette. De la noisette. Avec un petit fond de moule. Cette saveur se vend bien. Une heure à peine après la pêche, la poutine se retrouve au marché d'Antibes, environ 20 francs les 100 grammes, plus si elle s'est faite plus rare. Il ne reste plus qu'à la cuisiner, surtout sans tuer le goût. Chacun a sa recette fétiche. Mon goût, c'est l'omelette. On la prépare juste avec un petit peu d'ail et de persil, à peine pour la relever, avec un peu d'huile. On la fait saisir et puis on la tourne, il faut qu'elle soit baveuse. C'est comme ça qu'elle est bonne. Très bonne aussi pochée, en beignet ou crue avec un jus de citron pour les puristes. Une gourmandise de quelques semaines. Après, ce sera le retour de la petite friture.